fall of 2016, the Caribbean was faced with one of the biggest hurricanes to menace the region in quite some time. 3 mile-per-hour winds, one point the strongest Atlantic hurricane in nearly a decade. The storm's slow speed, moving at just 7 miles per hour. We're adding, of course, a Category 4 hurricane. In Haiti, Hurricane Matthew made landfall as a Category 4 storm in southwestern Haiti on the morning of October 4. It affected over 1 million people with hurricane-force winds in the country's southern peninsula. Weeks after Hurricane Matthew blasted through southwestern Haiti, the region was a blighted apocalyptic landscape of wrecked homes and growing hunger. Authorities began burying the dead in mass graves in some areas, such as Jérémie, a city of 30,000 people, as bodies started to decompose. FNJD, the National Federation of Youth for Development, a homegrown local Haitian organization, sprung into action to provide much-needed help. Moi, c'est Elzoui, moi, c'est président de la Fédération Nationale de la Jeunesse pour le Développement. Là, dans un contexte bien particulier. Après passage au Ouragan Matthew, Fédération mobilisée pour porter secours dans plusieurs communautés dans le département de la Grande Anse qui était très affecté. Nous venons faire, nous venons faire clinique mobile, nous venons faire appui psychosocial pour les gens et dans Gomier. Les zones ça ont subi ravage cyclone Matthew. Donc, nous avons toujours eu ça dans nos grands particuliers, les réseaux VICA dans la Fédération. Qui là pour répondre à une catastrophe. Tout de suite après l'ouragan Matthew, donc nous avons mobilisé dès le lendemain pour qui j'en ai qu'à agir, qui besoin de gagner. Il y a des côtés qui sont beaucoup plus affectés que l'autre. Par exemple, côté vieux cyclone n'a passé directement, c'est le côté qui est entièrement dévasté. C'est un ouragan qui passe incapable de qui détruit les zones. Il détruit l'environnement et presque pas grand du tout. Avant, nous déclarions les zones non paradis. Mais quand il y a là, bon, garantie, c'est l'apocalypse. Pied bois, détruit l'écologie. Vraiment dans un mauvais état. L'aime passer là, mon cher, c'était désolation. Soit garder ou après ce soir qui était campé le pied palme. Son zone qui bolon, mais donc son zone qui a toute potentialité pour que le une zone qui développait. Mais un cyclone a changé l'architecture de la zone globalement. C'est une catastrophe. Et nous sommes capables de dire qu'il était venu pour aller avec nous net. Mais c'est bon Dieu qui kembe nous. Pour la zone Gomier, nous avons perdu des bagages et matériels. Mais il y a quelques côtés qui subissent un peu le monde mourir. Et pieds, bois, jardin, caille, et mes bagailles tout crasées, gaspillées. Matin, je prends un choc. Vraiment, j'étais en état de choc parce que je m'arrête dans une zone qui était verte, extrêmement verte. Une zone qui est vraiment de couleur. Une zone qui est vraiment gagnée. Des plantes qui ont fait des bagailles qui sont extrêmement. Des plantes qui ont fait des gens manger parce qu'on connaît ça, c'est grenier. Et ils ont toujours parlé de Grenade comme grenier et d'Haïti. Ils ont parlé de Sud comme grenier d'Haïti. Donc, et matin, je suis en état de choc. Je regarde moi, conseiller de pieds cocotiers. Zone ça, zone qui est en pile cocotier. Je regarde moi, puis fort dans le cocotier, ça, il n'y a pas de tête à aller. À travers acte qui vient causer, c'est comme un côté au lagon bombe. Nous venons là dans la Grande Anse pour nous faire une clinique mobile. Alors, nous avons fait une clinique mobile, c'est exactement ce qu'on a fait là. Côté que nous avons recevoir près de 500 personnes, que nous avons baillé soins santé. Nous avons un médecin qui est là, nous avons un psychologue qui est là, travailleur social, nous avons un pharmacien. Parce que nous tenons à ce que le service que nous avons service de qualité, à ce que nous sommes satisfaits. Nous avons fait une clinique mobile en forme de sensibilisation et une portée soins. Et faire des diagnostics
faire des diagnostics et puis pour tes soins, pour tes médicaments qui sont nécessaires avec selon le diagnostic là. Bon, dans l'initiative ça, moi-même, moi je vais pour moi conseiller et puis bien dispenser médicaments. Pour les médicaments, je dis à nous avons les analgésiques comme le paracétamol, les antihypertenseurs, les enalapril et puis les antiulcéreux. Et puis, plus fort médicament qui peut allier à benzazole pour anti-helmétique. Et médicaments nous côté nous senti que la population a besoin d'un moment que après cyclone ça qui passé. Généralement nous connaissons le rôle pharmacien, c'est bien dispenser, pour bien dispenser, il faut qu'on bien conseiller. Parfois pour mieux bien comprendre, nous obligé expliquer au par rapport avec couleur médicament et puis nous écrire, nous quitter le message pour si gen grand monde qui gen moun konn li nan kala pour capable aider au partager soit aider au prendre médicaments. Donc dans la matinée qui ça fait automatiquement vient faire setup pour tente côté n'a fait pharmacie côté que médecin ou pied côté nous pour faire appui psychosocial yo nous et puis bon salle de triage. C'est-à-dire que bon premier côté, c'est triage qui fait là. Donc on gagne une infirmière, on gagne une autre responsable qui prend nom, on fait distribution des jetons. C'est une première bah nous fait. Et chaque monde a un numéro. Et numéro ça nous tout gagne dans registre. Responsabilité nous c'est recevoir patient qui vient qui balade et puis bio 4 pour capable consulter et pour docteur capable voir. Nous fait triage là et puis pour nous faire dispatching là, yo prend poids mon yo, yo fait premier examen yo, après ça pour voyer pour aller dans consultation. L'heure fini pour y aller consulter, yo ba yo médicament, venir consulter yo et puis ça mérité référé à l'hôpital, li tout référé. L'un fin fait étape ça yo qui c'est purement approche médicale là, moun ça prend référé qu'on y a psychologue. Yo. Nous connaissons moun yo affecté, c'est vrai ne pas ka offrir yo. Yon soutien andi psychologique clinique mais dans 440 selling nous fait de groupe de parole de avec yo etc. Ça permet que moun nan li parler de saleté vive ça qui dérange le ça qui fait le mal et ou senti moun nan soulagé après que le fin parler avec ou. Si à moins venir, pas de nos malades pour nous cacher nos médicaments pour soulager nous. Et joindre une maladie gratelle qui sur monde et puis lui vraiment du sur tout petit monde et puis y a une fièvre, y a une tête fait mal. Ça c'est petit tout? Oui. Qui j'en regarde qui l'a fait? Maclean Paul. Ok. Qui est-ce que le gars maladie? Lui gagne gratelle. Le gratelle. Et puis il pas toilette. Ok. Et où même? Moi, c'est la tête qui me fait mal avec la tête. D'accord. Si vous venez là aujourd'hui pour jouer une solution pour le problème, ça y est. Je viens pour jouer une solution avec la maladie, ça y est. Bon, maladie, va te faire mal. Des maladies des yeux, des maladies de grippe, de la fièvre. Enfin, des malaria, des typhoïdes, la jaunisse. Et puis, des hémorroïdes. On prend et puis, l'autre. Problème. Égal depuis que l'événement est passé, en pile la fièvre, en pile maladie, en pile grippe, tu as saccagé nous en pile. Le peuple a vécu là et puis il n'y a pas eu de l'eau qui est vraiment ça fait hygiénique, de l'eau potable. Donc il y avait une situation très. Cholera causes severe diarrhea and can kill within hours if untreated. It is spread through contaminated water and has a short incubation period, which leads to rapid outbreaks. The only way to curb the spread of diarrhea diseases due to the inaccessibility of drinking water is to tackle the problem at its source. Problème d'eau, c'est un gros problème jeune ça gagne, c'est problème accès à l'eau. So, nous devons faire tout pour nous dans quelles conditions nous devons prendre l'eau et qui doit utiliser qui fait que tu es malade dans pile cas de maladie diarrhéique là ou choléra ou et dysenterie typhoïde c'est des maladies que nous prenons dans l'eau. Nous avons besoin d'un système de traitement d'eau. C'est donc puis mon avoir l'eau. Et à côté de puis il y a la latrine.
et zone là tout près la mer donc nappe phréatique là très haut dans zone ça zone là mérité replanifier ça fait de l'eau très très important pour nous. Pour pas monde qui là yo yo était très bien accueilli nous, yo était très réceptif à action que n'a fait a, yo content que nous pense à yo parce que c'est vrai que son zone pour petit gens puis reculé qui ont petit gens gain moins publicité que l'autre plus gros ville yo. Donc yo vraiment content que nous apporter ça pour yo. Donc c'est monter des structures pérennes pour aider la population, donc c'est ça l'objectif là. Donc c'est pour ça fédération mettre sous pied. Donc structure ça son structure là pour aider les jeunes capables et nous pas camper. Clinique mobile pas nous. N'a fait, c'est pour bagage cosmétique. C'est pour maquillage, n'a fait. C'est pour bagage pour show télévisé. Nous voulons aider moun yo. Malgré que nous pas gain gros moyens. Ce que fait là, c'est moyen pas nous, moyen deux amis qui décident de faire back up dans ce qu'a fait là. Mais je garantis que si nous avons plus de moyens, nous avons fait plus. J'ai l'impression que nous avons fait ça, qui pas mais font deuxième jour, mais ça font troisième jour là. Parce que vu que nous sentons la caillou, parce que l'accueil est très chaleureux. Nous arrivons moyen, on sait de bail pour nous. Bien que nous manquions les moyens pour nous finaliser ça, nous venons faire. Et ça fait que nous avons demandé que tout le monde qui est capable de bail là, viens joindre main ou à main par nous de manière à ce que pour nous capables de porter une forte contribution, une forte solidarité à Mounsayo qui a bien besoin et qui a très besoin. Nous venons avec mes moyens pour nous aider les gens qui sont en difficulté. Ce n'est pas de bagarre qui était facile. Après le travail ça que nous faisons fait avec les gens, les médecins, et nous avons besoin de retourner sur le terrain pour nous donner d'autres supports, non seulement médicaux, psychosocial. Malgré tout, nous tiens à remercier de monde qui prend ça à cœur. Il n'a pas remercié. Particulièrement Peter Wolfrich. C'est peut-être ça nous remercier Peter, parce qu'il a décidé à saluer et aider la fédération. Il pas même, nous pas même à l'adresser directement, nous avons été volontaire comme il a aidé. Parce que dans le moment où nous avons le minimum qu'il faut, il a fait un paquet de différences. C'est peut-être ça nous demander à tout le monde qui a décidé d'aider la fédération. Cause pour Bakop Mounio, il est bienvenu. Je demande à tout partenaire, toute institution, tout monde volontairement aider pour aider nous faire suivi et série de cliniques mobiles. Je demande aidez-nous. Aidez-nous pour que nous ayons espoir à Timon Zayo. Merci.